Oui, compliqué. Je pense qu'on a joué par période, on va dire, de 10-20 minutes. Je pense les deux entames de mi-temps, on a eu des bonnes intentions, mais malheureusement, face à ces équipes-là, si on n'a pas trop de continuité dans le temps au niveau de l'intensité de jeu, ben, on ne peut pas forcément espérer plus que ce résultat ce soir. Voilà, il faut progresser, je pense, sur la continuité dans un match où il faut avoir une intensité élevée tout au long d'un match. Je pense qu'on a eu de belles intentions par moment. Je pense au début de première et début de deuxième, où on s'est créé quelques opportunités, mais malheureusement, on n'a pas eu forcément de grosses, grosses occasions pour pouvoir remporter ce match. C'est un peu bis repetita parce qu'on a l'impression de. Même si on n'est pas supérieur à l'équipe adverse, mais de les contenir. Et malheureusement, ben, on prend souvent des buts et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que c'est souvent des erreurs qu'on peut forcément éviter. Après, bon, voilà, même si on prend ce premier but, voilà, il faut avoir justement du caractère pour pouvoir revenir. Et on a essayé au début de deuxième, mais malheureusement, on n'a pas eu cette continuité pour pouvoir justement être un peu plus dominateur en seconde période pour pouvoir accrocher au moins le nul. Il faudra s'accrocher jusqu'au bout. Hein. Il reste, on va dire, 7 rounds. Et il faudra justement essayer de prendre le maximum de points à chaque match. Et on va batailler dur. Voilà, le groupe va tout donner. Voilà, tout donner, ça c'est. On ne veut pas avoir de regrets, donc on va tout donner jusqu'au bout. Après le résultat final, on verra. Mais vraiment, on va tout donner. Et on a besoin justement de tout le monde, des supporters, de tout l'ensemble du club pour pouvoir réaliser cet objectif. Mais voilà, c'est sûr que quand on joue ces matchs-là, ben, face à des grosses écuries, ben, on a des regrets, surtout voilà, avec des buts qui peuvent être évitables, etc. Mais voilà, il faut vite se remobiliser parce qu'il ne reste plus beaucoup de matchs et chaque match va être très important. Et chaque match est l'occasion de prendre un maximum de points. Et il faut avoir ça en tête, c'est que ça peut se jouer jusqu'à la dernière journée et peut-être même sur un barrage. Voilà. Et si on doit passer par un barrage pour se maintenir, ben, on le fera, mais on s'accrochera, on lâchera rien.